Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Tim de Space News. C'est aujourd'hui le dimanche 14 avril 2024. Il est 17h et j'ouvre la 15e visioconférence de la série Les Galactiques 2024, dont le titre ce soir est Les Anunnaki, Enki et Enlil, une histoire inversée. Je rappelle que toutes les informations que je communique sont strictement et uniquement de sources extraterrestres, transmises noir sur blanc et en audio, notamment par mon principal contact extraterrestre, Zen, conversation que j'ai enregistrée depuis le début de l'année 2016, voilà donc 8 ans. Les archives terrestres présentent Enki et Enlil comme des personnages importants de la mythologie sumérienne et mésopotamienne antique. Enki est associé à divers aspects tels que l'eau et la sagesse, et il est souvent décrit comme une divinité bienveillante qui a aidé les Terriens en leur offrant la civilisation, l'agriculture et la langue. Enlil, de son côté, est associé à la puissance, à l'autorité et à la justice, et il aurait joué un rôle essentiel dans la création et la gestion de l'humanité. Certains contactés, dans leurs vidéos sur les réseaux sociaux, insistent avec force sur le fait qu'Enki, qu'ils appellent aussi Ea, et Enlil sont des figures mythiques qui ont provoqué le déluge pour réinitialiser l'humanité. Ces contactés précisent qu'Enki serait encore vivant, qu'il vit sur le vaisseau Nibiru et qu'il est le grand sage qui aurait sauvé l'humanité. D'autres groupes de contactés racontent que Nibiru, appelé aussi planète X, serait le soleil d'un système stellaire qui comprendrait environ 30 planètes et qu'il serait en train de traverser notre système Sol 13. Aucun de ces contactés n'aborde les guerres destructrices sur Mars et Tiamat et la désintégration de cette dernière qui est la source réelle des déluges sur Vénus et sur Terre. Voyons ce que mes contacts extraterrestres en pensent. Ils disent que Enki et Enlil ne sont pas les noms de personnes ni de dieux. C'était deux groupes d'Égyptiens. D'un côté, d'anciens descendants de lignées draco-reptiliennes et de l'autre, les descendants de Lyriens ou de Pléiadiens. Sur Terre, ils sont présentés comme le bon et le mauvais frère. Le bon frère sont les Enki, qui étaient les partisans d'Akhenaton et du dieu solaire Aton. C'étaient des Égyptiens ordinaires qui croyaient et promouvaient le monothéisme qui donnera naissance plus tard au christianisme, à l'islam et au judaïsme. C'était le bon frère qui donnait l'information libératrice aux terriens, celui qui leur dit comment vivre, qui leur donne des bases éthiques et qui les différencie des peuples païens. Mais d'autres stipulent que l'histoire des Enki était aussi calquée sur celle de Moïse, qui guide le peuple élu vers la terre promise d'Israël, qui leur donne des bases éthiques avec les 10 commandements, ou qui parle au buisson ardent et leur dit de ne pas adorer le taureau, qui n'est autre que la constellation M45. En résumé, les Enki sont un groupe de personnes, d'Égyptiens anciens, adorateurs du dieu solaire. Par opposition aux religions monothéistes, le mauvais frère sont les Enlil, les partisans de Ramsès II, qui combattaient les Enki et qui, de leur côté, étaient attachés au polythéisme. Les Enlil sont un groupe d'Égyptiens ordinaires qui suivaient le dieu Amon et le système religieux millénaire
représentée par les païens, leurs chamans, leur fétichisme et leurs druides. Akhenaton et Ramsès, les Enki et les Enlil, se battaient parce qu'ils partageaient des croyances contradictoires. Akhenaton, également connu sous le nom d'Amenophis IV, était un pharaon égyptien dont le règne est marqué par des réformes religieuses radicales qui ont bouleversé l'Égypte antique. Il a centré sa réforme sur le culte exclusif du dieu solaire Aton en tentant de supprimer le polythéisme traditionnel et de le remplacer par le monothéisme. Akhenaton revendiquait l'exclusivité d'un contact direct avec le nouveau dieu Aton. Akhenaton disait qu'il avait libéré ou donné un savoir libérateur aux humains, c'est-à-dire la partie du peuple égyptien qui le suivait, les libérant de l'oppression de Ramsès II, les Enlil. Le peuple d'Israël dans l'Exode n'était rien d'autre que ce groupe de partisans égyptiens qui suivaient Akhenaton et qui s'éloignaient de la base théologique de l'Égypte. Cela a rendu furieux les ecclésiastiques traditionalistes égyptiens qui, avec une partie de la population, ont essayé de rétablir le polythéisme sous le règne suivant de Ramsès II, d'où les conflits qui ont suivi. Pour ce qui est des Enlil, c'étaient les premiers développeurs de l'Égypte et la race des Elohim d'Astérope dans la constellation M45 et l'amas de la Pléiade. M45, c'est la constellation du taureau, c'est la raison pour laquelle Akhenaton enseigner à ses partisans de ne pas suivre le taureau, bien que sur Terre, plusieurs races soient décrites comme des Elohim. Au niveau extraterrestre, on trouve des bases ou des colonies des Elohim d'Astérope et dans la constellation du Triangle. Ils ressemblent aux terriens, mais ils ont des différences, des handicaps qui seraient perçus comme des malformations congénitales, comme de longues jambes tordues, et une colonne vertébrale courte, un menton allongé et un crâne super allongé à l'arrière. Bien sûr, leur crâne allongé, retrouvé sur Terre et exposé dans des musées, sont parmi ceux des Elohim d'Astérope. Les Nephs, N-E-P-H, ou Néphilim, sont également originaires du système d'Astérope dans les Pléiades. Les Enki, peuple d'Israël, et les Enlil, peuple d'Égypte, s'opposaient et se battaient. Ce combat s'est soldé par l'expulsion d'Akhenaton et des Enki d'Égypte par Ramsès II. Les Enki et les Enlil n'étaient pas de la même civilisation et ils n'étaient pas non plus de la même race, mais ils sont tous les deux enfants d'Anu, qui représente le soleil, car même si on parle d'êtres biologiques, physiologiques, ésotériquement parlant, même s'ils avaient le même père, ils avaient des énergies différentes. Ésotériquement parlant, ce sont des énergies opposées. Dans le monde de cette époque, les énergies, les idées, les peuples et les personnes étaient représentés allégoriquement comme des personnages. Les Enki, les monothéistes, et les Enlil, les polythéistes, étaient frères et fils du dieu Anu, le soleil, Aton pour les Enki et Amon pour les Enlil. Anu est lui aussi représenté de multiples manières dans la mythologie terrienne. Le concept d'Aton, les Enki et le monothéisme, et le concept d'Amon, les Enlil et le polythéisme sont tous deux issus d'un dieu solaire, mais ils sont opposés. Amon est le dieu solaire de l'Égypte pré-Akhenaton et Aton est le nouveau concept qu'Akhenaton a tenté d'imposer au peuple égyptien. Aton est également le soleil noir et cette rivalité entre Aton et Amon représentant tous les deux le soleil sous le nom de Anu, a créé une confusion parmi ceux qui n'étudient qu'un seul côté. Cette confusion
très courante se produit également parce que ces concepts de dieux solaires et de leur contexte sont mélangés entre les cultures sumériennes et les cultures égyptiennes. Mais d'après mes contacts de manière historique et chronologique, et contrairement à ce qu'affirment les historiens sur Terre, la culture égyptienne a précédé la culture sumérienne et non l'inverse. En ce qui concerne Anu, c'est le concept du soleil en tant que père, représenté par un certain nombre de dieux avec des variantes dans différentes cultures. Zeus, maître de la foudre et du ciel dans la Grèce antique, Jupiter dans la mythologie romaine inspirée du Zeus grec et qui a les mêmes attributs, ou Odin, le dieu de la mythologie germanique dans sa version scandinave. Anu, représenté comme un dieu borne, est le dieu des morts, de la victoire et du savoir, mais il est aussi le père de tous les dieux et le maître de la magie, de la guerre et de la sagesse. Mais l'Anu original a bien existé. Le vrai Anu est un cosmonaute extraterrestre ancien, explorateur pléiadien du système stellaire Téget dans la main des Pléiades. Anu, le Tégétan, est arrivé sur Terre vers 8000 ou 9000 ans avant Jésus-Christ. Il a laissé sa sagesse et il est reparti. Les concepts d'Enki et d'Enlil peuvent avoir plusieurs autres interprétations selon les peuples, mais ce ne sont jamais des individus. Cela est particulièrement visible dans le cas des Enki, où l'attribut de leader est donné à Akhenaton, puis à Abraham, puis à Jésus-Christ. Mais les Enki sont devenus de nos jours la Kabbale. L'idée selon laquelle Enki est le bon frère n'est qu'une partie du contrôle mental et d'une tentative de la part des contrôleurs et de la Kabbale de faire en sorte que les personnes sous leur contrôle s'opposent à l'autre groupe, celui des Enlil. Dans le cas des Enlil, ce groupe représente les Elohim, qui est la race qui a dominé la région sumérienne et qui a également fortement influencé l'Égypte. Il s'oppose à Akhenaton Néfertiti et à ses réformes en Égypte, et donc à la Kabbale. Les Enki fonderont Rome. Rome avait des Césars, et les Césars, au fil des siècles, sont devenus des papes. L'Empire romain n'est jamais tombé, il s'est tout simplement transformé. Ce sont les membres de familles reptiliennes ou de familles terriennes de haut niveau qui travaillent pour les reptiliens ou en collaboration avec eux. Rome, le Vatican, mène toujours le monde comme il le fait depuis 2500 ans. Les Enki et les Enlil sont tous les deux enfants d'Anu, le soleil, Amon pour le polythéisme et Aton pour le monothéisme, mais comme tout ce que fait la Kabbale est inversé, que ce soit l'histoire, les genres, les croyances, les religions, les sciences, Enki est devenu le bon côté, le bon fils, et Enlil, le mauvais côté, le mauvais fils. Mais dans la vraie réalité, ce sont les Enki qui représentent le mensonge, la tromperie, l'usurpation d'identité, la création d'une fausse histoire terrienne, et Enlil qui représente la stabilité, la vérité, la fiabilité et la progressivité. Étant donné que ce que veut la Kabbale est d'imposer la matrice et le contrôle mental basé sur des mensonges, Enki est considéré comme le bon et Enlil, qui représente la vérité la plus étendue, doit être supprimé et effacé. Enki, les Enki, représentent la Kabbale qui elle-même représente l'Église, le système établi, que vous apprenez dès votre naissance. Il représente le contrôle mental de la matrice. Enlil représente l'énergie stellaire des extraterrestres qui vivent hors planète. Un commentaire important au sujet des Enki et des Enlil, et d'Anu et d'autres.
On sait que dans certaines zones géographiques très éloignées de Sumer, il existe des textes comme le Popol Vuh, d'origine maya précolombienne, qui corroborent l'existence de ces personnages. Mais ce fait signale tout simplement que comme l'Atlantide, les Enki étaient une civilisation planétaire, les membres pouvaient soit passer les informations de groupe en groupe, soit aller de Sumer en Mésopotamie, actuellement l'Irak, jusqu'en Amérique du Sud, car leur objectif était de contrôler la majeure partie de la population et ils diffusaient leurs informations dans tous les endroits possibles. Comme une partie des Égyptiens, les Enlil, s'opposaient à la Kabbale et à ses intérêts, les Enki, ces derniers ont pillé, monopolisé, déformé et effacé une grande partie de l'histoire, lui ôtant sa véritable valeur culturelle, historique. Mais surtout, ils ont post-daté la période égyptienne, la rendant plus récente ou plus jeune qu'elle ne l'est en réalité. Les Enki et les Enlil sont associés à tort à la culture sumérienne uniquement parce que ce sont eux, les Enki, la Kabbale, qui les ont le plus documentés. Mais en réalité, leurs origines sont égyptiennes et avant Sumer. En résumé, et comme interprétation supplémentaire pour plus de clarté, Enki et Enlil sont des groupes opposés, tous deux nés en Égypte. Les Enki, alliés d'Akhenaton et de Néfertiti, sont la Kabbale. Les Enlil sont les adversaires des Enki. Et leur différence n'est rien d'autre qu'une querelle entre le côté conservateur égyptien, adorant le dieu solaire Amon, et le côté Akhenaton Néfertiti, adorant le soleil noir Saturne, Aton. Une querelle entre Égyptiens, avec l'intervention des stellaires, qui en réalité était une querelle entre des stellaires, Atlantide et Lémurie, et le peuple égyptien, pris en étau entre les deux. Question de Olivier. Tu as fait le parallèle, Tim, avec l'Atlantide et la Lémurie. Est-ce que je comprends que Enki serait associé à l'Atlantide et Enlil à la Lémurie? Oui, tout à fait, c'était des groupes d'Égyptiens, ce ne sont pas des personnages. Les Égyptiens sont divisés en deux groupes. Il y en a un qui sont appelés les Enki, enfin tout au moins par mes contacts extraterrestres, et qui représentent effectivement l'Atlantide, le côté reptilien. Et puis de l'autre côté, un autre groupe d'Égyptiens qui vivaient d'ailleurs en Égypte, dans la base souterraine de la pyramide de Gizeh, et qui représentait la Lémurie émue. Question de Martine. Vous ont-ils mentionné dans le temps combien de temps avaient duré ces guerres? Les Lyriens se sont envolés de leur planète parce qu'ils étaient colonisés par des groupes de reptiliens qui se sont envolés, qui sont arrivés sur Tiamat, sur Mars, sur la Terre et qui ensuite se sont développés et qui ont toujours essayé d'échapper au groupe des colonisateurs. C'est toujours la même histoire. C'est encore la même histoire de nos jours. Toutes les guerres en cours, c'est toujours la même histoire. Question de Michael. Pour resituer un petit peu le contexte, à l'époque justement donc de l'ancienne Égypte, il y avait donc deux factions, mais en fait à la base qu'il n'était qu'une seule. Au départ, ces groupes des lignées reptiliennes qui envahissent Véga et les planètes Avalon et Lyra, qui séparent hommes et femmes, qui gardent les enfants qu'ils font éduquer selon leurs principes. Pendant ce temps, des petits groupes de Lyriens s'envolent comme ils le peuvent pour survivre et ils arrivent dans les Pléiades, dans la constellation du Triangle et sur Terre. Entre-temps, ils sont sur Tiamat, sur Mars, ils s'affrontent encore entre eux, donc sur ces deux planètes. Il y a tellement de puissance nucléaire et plasmique que ça désintègre Tiamat. À partir de là, toute l'eau de Tiamat, parce que c'était une planète avec beaucoup d'eau,
Cette eau fait le tour du système solaire et à un moment donné, cette eau va se déverser sur Vénus et sur la Terre. Les reptiliens suivent les lyriens pour les attaquer, etc., faire la même chose. Ils arrivent aussi ici sur Terre. Les reptiliens créent l'Atlantide et les lyriens, puis les pléiadiens s'y mettent aussi, créent la Lémurie. Et depuis le moment où les reptiliens sont apparus dans la constellation d'Orion et ont colonisé les planètes du système Véga, depuis ce moment, et ça fait des centaines de millions d'années, les deux côtés, Atlantide, Lémurie, reptiliens, pléiadiens, lyriens, les Enki, la Kabbale, Aton, le monothéisme, et de l'autre côté, Amon, le dieu solaire aussi, et puis le polythéisme, même si ces groupes évoluent sur Terre et continuent à développer des civilisations, ils sont toujours en guerre les uns contre les autres. Et ces deux côtés, c'est l'Occident du côté des Enki de la Kabbale et l'Orient de l'autre côté des Enlil et les lignées lyriennes qui sont aussi nos ascendants. Donc ces guerres n'ont jamais cessé. Et puis c'est aussi très complexe parce que le gouvernement d'Atlantide a accepté que d'autres civilisations se joignent aux côtés de l'Atlantide, qui étaient plutôt des extraterrestres du type lémurien. Donc c'est très complexe. Mais enfin, on peut le résumer comme ça. D'un côté l'Atlantide et de l'autre côté la Lémurie. D'un côté les Enki, de l'autre côté les Enlil. D'un côté l'Occident, de l'autre côté l'Orient. D'un côté, le monothéisme et Aton, et de l'autre, le polythéisme. Et les Enlil se sont toujours battus contre les Enki, la Lémurie contre l'Atlantide, pour à la fois survivre eux-mêmes et aider les Terriens à sortir de ce contrôle reptilien. Aton, c'est le soleil pour les Enki, le monothéisme d'Akhénaton, et Amon, c'est le soleil pour le polythéisme et les Enlil. C'est très confus en fait, parce que deux groupes parlent d'un dieu solaire qui serait leur père, donc Anu, Anu, qui représente le soleil. Du côté d'Aton, Akhénaton, les Enki, c'est Saturne et le soleil noir. Et de l'autre côté, les Enlil, c'est Amon, c'est aussi un soleil, mais ça n'est pas le soleil noir. Chaque groupe dit que ils viennent d'un père qui est le soleil, donc ils implémentent un soleil, Aton et Amon, qui représentent un père qui a deux fils, le bon et le mauvais. Ils définissent le bon comme étant Enki, mais en fait, Enki est celui qui ment, enfin, d'après ce que disent mes contacts extraterrestres, est celui qui ment, qui inverse les rôles, et c'est pour ça que tout est inversé sur Terre, les genres, les sciences, l'histoire. Et de l'autre côté, donc, vous avez les Enlil qui, eux, d'après mes contacts extraterrestres, sont le bon côté, en fait. Donc, la Kabbale inverse l'histoire en disant que leur côté, c'est le bon côté, tandis que les Enlil, c'est-à-dire de la théologie, traditionnelle et antique de l'Égypte, est le mauvais côté. Les contrôleurs, la cabale, inversent les histoires. Donc ce ne sont pas Enki et Enlil, des personnages comme ceux que vous voyez derrière moi. Ce sont des groupes de partisans d'Akhénaton d'un côté et de Ramsès et des anciens ecclésiastes égyptiens de l'autre. Vous le voyez actuellement, les contrôleurs essayent d'implémenter une religion pour toute la planète. On est toujours dans la même chose. Question de Lucie. Étant donné que tout est inversé, à ce moment-là, est-ce que ce serait les Enlil qui auraient amené le blé sur Terre? L'agriculture, la langue, la structure sociétale, il est dit que c'est Enki, le bon fils, qui a amené tout ça sur Terre, mais en fait, c'est l'inverse. C'est Enlil qui a amené tout ça sur Terre. Et Enki, c'était plutôt le contrôle mental, enfin tout ce qui existe encore maintenant, de nos jours, dans l'éducation, ce que l'on apprend, c'est le côté des Enki,
qui ont construit tout ça et qui ont même construit notre histoire ancienne et qui l'ont remplacée par le monothéisme d'Akhénaton. Il le tente toujours, vous voyez, même de nos jours, avec le nouvel ordre mondial, c'est une seule religion pour toute la planète. Tous les pays font partie de la Kabbale. Seulement, il y a des pays qui acceptent certaines choses et d'autres pays qui ne l'acceptent pas. Tous font partie de la Kabbale. Alors, question de Olivier, on retrouve dans le temple d'Osiris en Égypte, il n'y a pas que là, il y a dans tous les temples, même en Chine, on retrouve la fleur de vie. Est-ce que c'est un symbole reptilien? En fait, la représentation des énergies du Thor, T-O-R-E, c'est-à-dire un ensemble qui comprend un champ négatif, un moteur au centre et un champ positif, et les énergies vont passer de l'un à l'autre en passant par le centre. Et donc la fleur de vie, c'est ça. Pas seulement un symbole, en fait, ce sont des explications à la fois géométriques et mathématiques. Très bien, il est 17h, presque 18h, donc je vais mettre fin à cette rencontre et je vous remercie pour votre présence et vos questions. Et nous nous retrouverons donc dimanche prochain pour plus d'explications sur les Elohim. Et c'est aussi totalement à côté de ce qu'on peut trouver sur Terre. Voilà, bonne soirée.